fait un bateau qui s'appelait le VRM900, qui était assez intéressant, et qui était tout à fait dans le profil de ce que j'avais pondu, sur lequel je réfléchissais déjà depuis pas mal d'années. Il s'est trouvé que Jean-Claude Oudry, à l'époque, qui était le patron du chantier, s'est rapproché de moi et m'a demandé si je voulais intégrer pour dessiner le futur, ce qui était le RM800, je crois, le premier qu'on a fait. Et du coup, j'étais ravi parce que je lui ai dit, tiens, bah, justement, ça fait longtemps que je pense à ces bateaux, j'ai bien envie de participer à cette aventure-là. Donc voilà, on a commencé à dessiner des bateaux, dont l'idée, c'était de faire des bateaux assez simples, assez faciles à nettoyer, faciles à construire, et puis qui marchent bien, parce que, voilà, qui étaient un peu axés sur le côté navigation, à une époque où il y avait un peu, ça commençait à scinder déjà entre les bateaux faits pour naviguer, et puis les bateaux un peu faits pour le port, et qui sont plutôt axés résidence secondaire, quoi. C'était on va dire le début de la plaisance, hein. Enfin pas tout à fait le début, mais déjà bien amorcé. Donc l'idée de faire des bateaux qui soient d'abord faits pour naviguer, ça m'a beaucoup plu. En plus, il y avait cette histoire de construction en bois, et moi je venais de faire pas mal de travail sur la construction en bois, puisque j'avais construit juste 2 ans avant le trimaran de Mike Birch aux États-Unis avec un gars qui s'appelle Walter Green, qui est un grand constructeur américain et dont la technique de construction était le West System. Donc je connaissais très bien cette technique, et effectivement il y avait un enjeu par rapport à RM, puisque tous les chantiers traditionnels qui construisaient à l'époque les Armagnacs, les Cognacs, etc., ils avaient tous coulé parce que c'était des bateaux qui étaient un peu trop compliqués à construire. Et là, on s'est dit avec Jean-Claude qu'il y avait moyen de construire des bateaux un petit peu plus modernes, en utilisant notamment le savoir-faire du West System, enfin les techniques du West System, c'est-à-dire le collage époxy, de ne pas d'utiliser beaucoup le composite en même temps que le bois, c'est-à-dire de permettre de lier le bois par du composite, ce qui est assez homogène pour des tas de raisons que je pourrais vous expliquer en détail. Mais donc c'était intéressant d'allier cette technique de construction en bois avec le composite, ce qui permettrait de construire les bateaux beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement. Donc voilà, comment il a démarré l'histoire de RM, c'est un peu, voilà, c'était un peu un rêve et en même temps un truc qui tombait pile dans mon créneau de connaissances, puisque le bois c'était déjà ma passion, quoi. Disons qu'au début, ça m'a fait un peu sourire l'histoire du biki, parce que à l'époque, les biki, c'était vraiment un truc anglais, on va dire, avec des deux quilles longues, et ça marchait pas du tout. Mais il y avait un truc intéressant dans l'histoire du biki, c'était quand même la facilité d'échouage, la facilité de stockage. C'était quand même des points qui étaient intéressants. Et c'était une époque où on commençait à faire du calcul numérique. Alors le calcul numérique, je vais vous expliquer, c'est que avant pour essayer de connaître les performances d'un bateau, on était obligé d'étirer dans des bassins de carène. C'était un peu coûteux, un peu compliqué. Là, on s'est mis à savoir faire du calcul. Et donc par calcul, on a commencé à regarder cette histoire de biquille, voir s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose de plus performant que le biquille type anglais, quoi. Et en fait, on a vite trouvé que c'était pas du tout une voie de garage, c'était très intéressant parce que, en fait, deux quilles à fort allongement, c'est bien meilleur qu'une quille plus grande du même tirant d'eau. Et finalement, ce qui nous intéresse dans l'histoire du biki, c'est de réduire un petit peu le tirant d'eau à un tirant d'eau moyen, on va dire. Il y avait, sur le marché, les Anglais faisaient des biki avec très peu de tirant d'eau. Ce qui reste toujours une erreur, parce que quand vous n'avez pas de tirant d'eau, vous n'avez pas d'allongement, vous n'avez pas de finesse dans l'appendice, donc ça ne remonte pas vraiment bien au vent, quoi. Par contre, le fait de comparer à même tirant d'eau un monoki et un biki, bah, il s'est avéré que c'était très intéressant, parce que le biki finalement avait des performances plutôt meilleures. Pour une bonne raison, c'est que quand le bateau gîte, la quille sous le vent se met à avoir plus de tirant d'eau, alors qu'en monoki, la quille sous le vent se met à avoir moins de tirant d'eau. Et ça, ça fait une grosse différence, c'est qu'en final, à la gîte, un monoki, un biki va de, mettons, 1m60, va avoir la même efficacité qu'un monoki d'1m90 à la gîte. Alors évidemment, il tire un petit peu plus d'eau, parce qu'il y a plus de surface mouillée, etc. Mais
En fait, globalement, si on regarde un bateau, ça va toujours vite au portant. C'est toujours au prêt que c'est compliqué à faire marcher. Et donc, la pénalité qu'on prend au portant avec deux quilles, finalement, elle est très limite, parce que le potentiel au portant est plus lié au capitaine qu'au bateau. En réalité, soit vous portez le SPI par 25 nœuds, ce que j'espère que vous allez faire aujourd'hui avec François Gabart, si, à 25 nœuds. Mais sans ça, la plupart des gens en famille, en croisière, quand ça dépasse 15 nœuds de vent, le SPI, on hésite un peu. Donc finalement, la vitesse, c'est pas... En croisière, la vitesse, c'est pas réellement le potentiel du bateau, c'est le potentiel du skipper et son équipage. Donc finalement, l'idée du Biki était vachement intéressante. Voilà. Après, moi, j'ai eu un RM 980 à l'époque, qui s'appelait... Et j'ai pu, j'ai choisi justement la version Biki pour une raison que pas tellement pour l'échouage, parce que l'échouage, franchement, d'abord j'aime pas aller embêter les baigneurs sur les plages et je trouve qu'un bateau a rien à foutre sur une plage. Par contre, la facilité de stockage. Quand vous avez un bateau qui voyage, quand vous laissez le bateau pendant 8 mois à un endroit et que vous voulez organiser le coup à l'avance, si vous dites que vous voulez chercher une place à l'eau, vous ne pouvez pas trouver beaucoup d'endroits. Par contre, si vous dites, moi mon bateau, vous le posez n'importe où, il tient tout seul, c'est beaucoup plus facile. Donc moi j'ai fait voyager mon bateau pendant 5 ans comme ça, tous les ans je le posais à un endroit, deux fois par an je le déplaçais, jamais été embêté. Et donc j'ai trouvé cet aspect-là super intéressant avec le Biki. Voilà pourquoi les Biki. Oh, le bateau de demain, de toute façon, c'est une grande question. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les bateaux sont utilisés à la fois pour naviguer et aussi en tant qu'espace de vie. Donc il faut allier un peu les deux, ce qui est sûr. Donc les RM, ils ont vachement évolué d'un concept un peu pur et dur de bateaux qui naviguent vers des bateaux qui sont plutôt agréables à l'intérieur. On a beaucoup travaillé chez RM, et d'ailleurs on a été un peu novateur sur le coup et vis-à-vis d'autres chantiers qui se sont mis à copier ça, à essayer de diminuer la hauteur entre le cockpit et le carré. Pourquoi ? Parce que sur un bateau de croisière, le mouvement que vous faites le plus, c'est de descendre en bas, de remonter en haut, de redescendre en bas, de remonter en haut. Quand vous faites ça 300 fois dans la journée, si vous avez une marge de moins, ça se sent vachement. Et un bateau qui est plus de plein pied, pas tout à fait comme un catamaran qui lui est vraiment de plein pied, mais qui a 3 marches au lieu d'en avoir 4, on n'a pas l'impression de descendre dans le trou au fond, quoi. Donc d'un point de vue de la vie à bord, ça donne des bateaux plus agréables à vivre en déplacement. Et pour avoir ça et se plancher un peu haut, il fallait aussi avoir la vision vers l'avant pour ne pas être claustro. Donc on a fait des grands pare-brises. Ça, c'était le début de l'évolution des RM vers des bateaux, on va dire, ce qu'ils appellent maintenant fast sailing yacht, mais c'est aussi des bateaux assez agréables à vivre, quoi. On a intégré plus de design, plus de lumière. Alors, le bateau du futur, il va aller dans ce sens-là. Moi, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue le côté marin des bateaux, parce que trop de bateaux sont trop faits uniquement pour la vie à bord. Et on en oublie parfois qu'un bateau, ça doit naviguer, c'est capable de faire de la sécurité et des performances. Parce que quand on fait du bateau à voile, c'est aussi pour faire de la voile. C'est-à-dire qu'au sens-là, on fait du bateau à moteur. Hein, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à faire de la voile si on n'aime pas la voile. La voile, c'est marrant quand ça va vite. Quand ça va vite. Quand ça ne va pas trop vite non plus. Hein. Attention, les machines de guerre, genre François Gabart, qui est les bateaux de Vendée Globe ou des multicoques de course, ne sont pas du tout des bateaux confortables. C'est des bateaux où il y a toujours 40 nœuds sur le pont. Donc on parle de performance raisonnable. Un monocoque de 12 mètres, de toute façon, quand il va à 12 ou 13 nœuds sur un surf, c'est super. Il n'ira jamais à 20 nœuds, donc on n'a pas ce problème-là. Mais de se faire plaisir à la barre avec un bateau équilibré, ça va rester, à mon avis, quelque chose de fondamental dans le développement des bateaux futurs. Moi, je pense qu'il faut, essayer de faire en sorte que les bateaux, la construction et la vie des bateaux et la destruction, parce qu'on parle d'un cycle de vie complet, pour que ça soit écolo, il faut que d'abord la construction, ça s'appelle à des matériaux qui soient le plus possible biosourcés. Bon, on parle du bois, là, en l'occurrence, ça, c'est pas mal. On a du travail sur l'époxy chez RM, parce que l'époxy prend un truc, mais on en utilise très peu en fin de compte, en quantité. Tout ce qui est des équipements à bord, évidemment. Là aussi, la raison
prévaut pour le bilan carbone, c'est-à-dire que si vous mettez de la clim sur un bateau de 10 mètres, c'est pas très écolo, quoi. Il faut quand même être clair. Après, aujourd'hui, on utilise des ponts en polyester. Pourquoi on a fait des ponts en polyester sur les RM? Parce que construire un pont en bois, c'est juste impossible économiquement. Il y a trop d'angles, trop de liaisons, trop de choses à construire. Et pour le faire beau, c'est très compliqué. Donc on est arrivé au polyester. Maintenant, dans le polyester, il y a en ce moment du développement sur les résines, il y a du développement sur les fibres, notamment fibres de lin et des choses comme ça, qui sont en passe de devenir potentiellement des matériaux utilisables. Je pense que VRM sera parmi les premiers à utiliser ce genre de trucs. On va essayer de faire ça. Après, sur la propulsion, moi, ce que je dirais, c'est que il faut la propulsion mécanique, il faut limiter la puissance des moteurs. Maintenant, un voilier, ça consomme très 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 peu d'énergie fossile. Quand vous regardez un plein de gasoil sur un voilier de 10 mètres, souvent ça fait l'été, quoi. Donc, je suis pas très inquiet là-dessus, quoi. Donc ça sera le bateau du futur, oui, enfin, quelque part il va évoluer dans la tendance. Après, la question c'est quel est le marin du futur, quel est le plaisancier du futur. C'est ça la vraie question, puisqu'aujourd'hui on dessine des bateaux pour des gens, et si les gens ils veulent que des caravanes flottantes, tous les bateaux qui naviguent, qui sont construits pour des gens qui naviguent, vont disparaître, parce qu'il n'y aura plus de marché, tout simplement. Nous on nous le dit dans des grands chantiers, certains chantiers, mais vous savez... On n'en a rien à foutre des gens qui naviguent. Ce n'est pas ça que les gens achètent. Donc voilà, moi ce que j'aime chez RM, c'est qu'on est quand même sur une clientèle de gens qui aiment faire du bateau, qui sont là, qui achètent un bateau pour aller naviguer, pour faire des milles, pour découvrir le paysage marin, etc. Donc ça c'est intéressant. C'est pas qu'une résidence secondaire flottante. Donc oui, ça c'est quelque chose d'assez essentiel chez RM, et j'espère qu'on va continuer à appuyer. En fait, La bonne nouvelle, c'est que la clientèle de RM, c'est la clientèle la plus fidèle. Pourquoi ? Parce que c'est finalement la plus ancienne, c'est celle des yachts, c'est la tradition du yachting, c'est des gens qui aiment faire du bateau. Quand on fait du bateau, on sait qu'on dépense des billets de 500 euros, on prend une douche glacée, c'est l'image, mais c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. Le gars qui achète un bateau juste pour aller passer les vacances avec maman, si jamais... les ports sont interdits, la navigation est compliquée, il va acheter une caravane plutôt. Parce que c'est pas... Voilà, donc ce noyau dur de la plaisance, il est bien représenté par RM. C'est-à-dire que c'est effectivement une clientèle qui navigue et qui, du coup, qui est fidèle, qui n'est pas une clientèle très volatile. Donc, je pense ça, de l'évolution. Ça va dépendre des gens. La sortie de ce matin, l'idée c'est de parler de perf et de confort, puisque on est sur un croiseur. Le confort c'est peut-être moins ton truc en tant que coureur. Tu rigoles, non, c'est important, c'est important. Mais du coup, on va voir ça ensemble, mais je pense qu'on va pas mal parler de stabilité, de gîte. Gîte et fort, c'est pas forcément efficace et c'est pas forcément confortable. Donc comment on peut réguler la gîte, les leviers qu'on a pour ça. Et puis aussi, évidemment, porter la toile du temps, donc là, à réduire, par quoi on commence, comment ça se passe. Et là, on va se mettre à ton écoute. Pas de problème, nickel. Bah écoute, avec plaisir. Bah, c'est parfait, les conditions. Ah ouais, franchement. On va se régler au prêt. Ce qu'on fait, c'est qu'on va se mettre au prêt. Ouais. On va voir ce que ça donne au prêt. Tu peux lofer un peu, ça mettra moins d'effort sans la faire battre ou juste déventer le guindon. Quand tu seras toute seule avec ta femme au Silly, elle forcera un peu moins. Si on simplifie un peu le réglage,
mer plate, on est content d'être plutôt plat en termes de voile. Oui. Faire très simple, s'il y a des vagues, le bateau s'arrête et repart, on est content d'avoir des voiles un peu plus creuses, quoi. Faire hyper simple, hein, mais c'est à peu près la base. Pour faire une voile plate avec le réglage de voile de devant, là, ouais. Donc plus tu vas monter ton point de tir, ouais, bordé, plus ça va aplatir et vriller la voile. Ouais. Vous me dites si je parle dans le vide ou pas. Hein. Enfin, n'hésitez pas à n'importe quelle question. Plus tu vas prendre, tirer ton point de tir vers le bas, plus tu vas creuser ta voile en bas et tu vas la fermer, quoi. Pour faire aussi très simple, mer plate, tu vas être plat tendu de chute. Plus il y a des vagues, plus tu vas être creux vrillé. Donc en fait, vu que quand tu vas tirer sur ton altitude, tu vas creuser mais tu vas fermer la chute, il va falloir choquer de l'écoute en même temps pour garder un vrillage de voile, quoi. Ça, là, elle est bien réglée pour toi. Je sais pas, là ça me paraît assez plat pour le moment, j'ai bordé, je pense qu'à mon avis on peut recreuser un peu. Et si on part du près, là on se dit qu'on veut essayer de serrer le vent, ouais. Donc on veut être quasiment maxi rentré. Tu vois, il y a ton D1 comme ça, là, grosso modo, tu es en butée, tu vas vite te mettre en butée dedans, quoi. Là, je vais essayer de le rentrer un peu plus. Là, je le borde, donc ça ferme un peu. Plus le bateau, si ton bateau. Il a tendance à s'arrêter, repartir, c'est pas très agréable. Donc là, du coup, tu vas essayer d'ouvrir les voiles, tu vois, que les choses soient pas fermées. Alors, monsieur, je vais te montrer, je vais surborder. En haut, là. Ferme un peu en haut. Ouais, tu vois, ta voile, elle est comme ça. Ouais, et en bas, tu vois, elle est comme ça, là. Ouais. Si jamais elle est trop comme ça, bah, à un moment de... c'est ça, ouais, voilà, comme ça. Tu vois, elle est comme ça. Ouais. Et là, en haut, elle est toujours comme ça. Ouais. Quand je dis vriller, c'est ça va être ça, quoi. Ah, d'accord. Tu vois, donc ouais. En haut, tu veux qu'elle soit plus ouverte. Ah, d'accord. Plus elle va être ouverte là-haut, plus c'est plus facile. Après, si sur de la mer plate, parce qu'il n'y a pas de vague, tu peux te permettre d'avoir des choses un peu plus fermées. Ça te permet de serrer un peu plus le vent et de l'offer, quoi. D'accord. Enfin, tu vois, si tu as ton winch qui est libre, là tu sais que tu vas faire un long bord auprès comme ça, tu peux garder ton réglage ici. Ouais. À la limite, là tu as le choix. Imagine, il y a une survente. Le bateau il va monter, tu peux quasiment choisir à la limite de choquer là. Donc là tu vas aplatir et faire vriller encore plus ta voile en bas et en haut et tu peux reborder ensuite ici, quoi. À titre de. Alors rien à voir, mais bon, ça, c'est quand même de là d'où je viens, donc sur le trimaran, donc là, je sais plus les chiffres, mais je sais pas combien de tonnes t'as dans ta voile d'avant. Pour border la voile d'avant, tout seul, il y a des moments où, justement, si tu te mets pas un peu face au vent, tu peux pas border tout seul, quoi. T'es obligé de ralentir le bateau, il y a plusieurs tonnes, tu peux être retrouvé à... Si tu choques un mètre de voile d'avant sur le trimaran, tu peux plus reborder tout seul, ou alors tu vas y passer une demi-heure. Le tweaker, donc moi j'appelle ça le tweaker, c'est assez facile parce qu'en fait tu sais, tu es sur un système d'arbalète, donc en fait le tweaker il n'y a pas beaucoup d'efforts dedans. D'accord. Donc à la limite, si je réfléchis juste en économie d'énergie d'équipage, tu peux quasiment réguler avec celui-là, et ben en fait tu forces pas trop, quoi. Si le bateau devient un peu ardent et qu'on veut garder le cap, c'est tu agis. Non, ouais, je dis parce que là il est libéré et tout, franchement t'as le choix entre les deux. En tout cas, réguler avec celui-là, c'est pas idiot parce que t'aplatis et tu vrilles. Donc tu vois, c'est pas. Typiquement, je sais pas comment ils font en. J'arrive pas à savoir, tu vois, en Figaro, j'ai pas beaucoup navigué sur le dernier. Je sais pas si tu. C'est le genre de truc que tu peux réguler à la main. Mais tu vois, quand t'es en solo, ça peut être intéressant si tu barres. Si t'as un réglage, ton réglage d'écoute, t'es obligé d'aller sur le winch. S'il y a un réglage que tu peux faire à la main, depuis la barre, tu peux réguler comme ça. Là, y a des efforts, mais tu pourrais presque réguler à la main, quoi. Là, moi, je trouve ça pas mal. Chariot de GV.
Ouais, on remonte un peu le chariot. Le faire très simple, pareil. Si tu reprends le chariot, donc tu fermes ta voile sans forcément fermer la chute. Si tu prends ton écoute, tu vas fermer ta chute sans forcément ramener ta baume. Mer plate, tu pourrais éventuellement, dans la même optique que la voile d'avant, te permettre d'être plutôt sur une chute un peu fermée. Donc tu vas peut-être pouvoir aller un peu à la plus à la GV. Si tu es plutôt dans de la mer, tu vas plutôt privilégier le chariot pour avoir un espace un peu vrai. Tu vois, là, ça fait un peu des vagues, bim boum, on va se. Peut-être, bon, on va pas perdre beaucoup de vitesse, c'est sur le côté. Donc, plutôt remonter du chariot dans de la mer, plutôt border de la GV. Ça, c'est pour les grands basiques. Après, le gros avantage là, du bateau, c'est. Alors, ça, j'ai envie de dire, ça va dépendre un peu d'où tu es. Si tu es à la barre, l'avantage, c'est que tu as le chariot à la main. Exact. Et donc, par rapport à la question survente, équilibre de bateau, c'est sûr que si tu es tout seul à la barre, que le bateau gîte sur vent, donc tu as l'action à la barre, et puis après, bah, c'est assez simple et direct, c'est le chariot. Ouais. Parce qu'il est à côté et que tu le. Après, si tu es sous pilote automatique de nuit et que tu es en train de boire ton thé dans le cockpit, bah, tu peux aller à la GV. Ça, c'est pas la théorie performance, non, c'est juste la théorie pratique et tu t'appliques à ton bateau, quoi. Donc après, là, le bateau au près, à la limite, une fois que tu es réglé, tu vas le jouer. On parlait un peu d'assiette tout à l'heure. Oui. C'est sûr que c'est un super bon repère. Tu barres beaucoup à la gîte au près, oui. Avec un vent à peu près régulier. Oui, il est calé, en fait. Donc là, tu essayes de te mettre sur ton bouchin, tu essayes d'appuyer. Alors, je sais pas à combien de gîtes on est. Je sais pas s'il y a un instrument qui capte la gîte. Ou... Non. Je sais pas, à vue d'œil, tu dois naviguer à 10 degrés, entre 10 et... 10 et 15 degrés peut-être, un truc comme ça, j'ai pas trop de repères sur un bateau comme ça. Alors là tu peux voir l'équilibre du bateau, si tu lâches le bateau il est légèrement ardent, oui. Ce qui est plutôt bien et sain. Sécuritaire, oui. Ouais. Là tu vois, tu te rends compte qu'en loffant un peu, finalement tu arrives à mettre peut-être un chouï bas. Là tu en as gagné un petit 20 degrés en cap, on n'a pas eu l'air de trop ralentir. Donc là tu as ta vitesse bateau. Alors là, tu vois, je commence à déventer un peu le génois. Par contre, je pense qu'on était un chouï bas et au final, on n'a quasiment pas perdu de vitesse. On arrive à être vachement plus haut, quoi. Le vent apparent, il y a combien ? 27. 27, là, oui. Là, 40 de true in angle, 27 d'apparent. Et là, on a signé 8. Donc là, j'ai un peu perdu de vitesse que je suis haut. C'est très bien. Parce que Victor, il m'avait dit 30-31 apparent, c'est trop. Je pense qu'en effet c'est pas mal. Là je suis volontairement un peu haut pour voir ce que ça donne. Signe 8. Je vais essayer de reprendre un peu de chariot, voir si on arrive à forcer un peu le cap. Et on peut peut-être essayer de border, tu peux peut-être border un tout petit peu de vent de génois, voir ce que ça donne. Attends, je vais reprendre la barre par-dessus, bouge pas, c'est bon. Ouais vas-y board, on va voir jusqu'où on arrive à loffer. On va vraiment partir du près serré. Au près sur un bateau comme ça, on va. Pour régler le bateau au près. Une fois qu'on est à peu près réglé, je pense qu'il y a deux repères, c'est gîte et vitesse, quoi. C'est sûr que vu que le bateau a quand même... T'as une vitesse type qui est un peu la vitesse de carène, qui j'imagine auprès, là, va se... Entre 6.5 et 7.5, probablement, quelque chose comme ça. Ouais, bah après, dès que... Ça, c'est le genre de bateau qui est agréable, parce que dès que t'as bas, il accélère, quoi. J'essaye vraiment de forcer le cap, hein. Là, je suis à 38 de true in angle et 26 d'apparent. Ça a l'air de pas mal se passer. Et là en gîte, alors du coup on n'a pas l'info gîte. Mais je trouve que le bateau comme ça il est plutôt pas mal. C'est quand même des bateaux qui sont assez larges. Donc mine de rien, dès que le bateau il est à plat, donc au portant t'as pas trop le choix, mais tu t'as vite de la surface mouillée si t'es, si t'es à plat quoi. Ouais. Bah ouais, donc du coup t'es quand même content de lui mettre un peu de gîte, tu dégages la surface mouillée. Après, c'est comme ça que tu as ta puissance aussi, enfin, tu vas chercher ta puissance à la gîte. Hein. Grosso modo, l'assiette comme ça, moins il y a de vent, plus on veut avancer les masses, plus on est au près, plus on veut avancer les masses. Exactement. Donc, si jamais on devait vraiment matosser,
c'est assez simple. Et alors après, donc après, t'as ton cross, enfin, t'as ton ratio entre vent et portant. Si t'es dans du petit temps au portant, je pense que t'es toujours content d'avoir de la masse de vent. Ouais. Et dès que le bateau accélère, tu recules. Et s'il y a du vent très fort, bah, tu veux toujours, enfin, plutôt en arrière au portant. Et c'est moins grave de l'avoir en arrière au près avec du vent fort. Ouais. D'autant plus que tu cherches éventuellement du redressement. Donc là, on est sur un bateau de croisière, on va pas matosser. Mais si jamais tu devais vouloir mettre des masses à l'arrière, bah, si tu la mets ici, tu as quand même beaucoup plus de redressement que si tu mets à l'avant, même si le bateau il a de la largeur rapidement. Alors, le patara, grosso modo, on tire sur le haut du mât. Donc, on va jouer sur le cintre du mât. En tirant sur le haut, on va cintrer le mât. En cintrant le mât, on va avoir tendance à absorber le rond de gardant, donc du coup à aplatir la voile. Donc là, ce qu'on disait, ce qu'on faisait un peu tout à l'heure avec le réglage d'altitude sur le génois, je sais pas comment on l'appelle sur un bateau comme ça, ça va avoir un peu le même effet patara. On va plutôt aplatir et vriller. Donc éventuellement le patara, si on pouvait le régler aussi facilement, vraiment à tirer comme ça, en quelques secondes, c'est un super réglage dans les risées. On préfère faire du patara que choquer bordé. Après dans la pratique, tu peux peut-être pas réguler le patara comme ça, enfin, je veux dire, c'est pas, si ce n'est qu'il est à côté du barreur, donc éventuellement pourquoi pas. En termes de forme de voile, c'est un peu, si jamais vous avez fait du catamaran de sport, ou même du dériveur, c'est un peu le cuny, quoi. Tu prends du cuny, ça fait vriller ta voile, quoi. Et donc ça, le patara, plus il y a du vent, plus t'en prends. Ce qui, là, dans la config de voile dans laquelle on est, en plus, ça a un deuxième avantage, c'est de raidir ton été qui est à l'avant. Donc du coup, tu tiens quand même l'ensemble de ton gréement. Tu peux mettre du mou dans ta drisse. Là, pour moi, un truc qui peut être potentiellement dangereux, c'est si tu as ton foc qui est un peu choqué, que tu vas sous le vent et que dans un mouvement de mer, il y a le truc qui te pousse à l'eau. Alors que là, quand tu es là, au pire, tu lâches ta drisse, mais il ne peut pas t'arriver grand-chose, quoi. Mais dès que tu es à l'avant, c'est quand même c'est plus dangereux, quoi. Enfin, donc, faut faire attention. Tu vas... Quand tu roules, au moment où tu vas le choquer, le génois il va partir devant. Donc en fait, tu vas du coup être obligé de pas mal forcer pour rouler le génois. Et quand tu vas dérouler ton génac il va partir et c'est pareil. Alors que là, si tu fais voile dans voile, si le plan de pont le permet, ce qui n'est pas toujours le cas, dérouler ton génac, en fait, le génac là, il va être complètement déventé derrière ta grand voile et ton génois. Donc c'est facile de venir le border. Une fois qu'il est bordé, à la limite, tu peux même relancer l'offé. Et dès qu'ensuite ton génois est à l'intérieur de ton génac, quand tu vas repartir, il va être tout déventé et tu peux le rouler à la main, quoi. Okay. Donc dans l'ordre, c'est, pour moi, c'est comme ça. Okay. Écoute. Et donc je disais, largage de riz, il faut essayer de trouver le compromis entre fermer ton angle de vent apparent et pas avoir une vitesse de vent apparent trop importante. Un peu de GV. À choquer ? Non. À border ? Attends, on va prendre le riz. Donc là, plus finalement, si il offre et qu'il accélère, on voit déjà la grand voile qui commence à faceiller. Donc là, on peut se dire que pour hisser sa GV, ça va être facile, quoi. Si je choque justement un peu de GV. Reste à peu près sur ce cap. Et donc la GV, c'est ça. Là, il n'y a plus d'effort dans la voile, donc on peut tout...
Donc là, on est au portant. Du coup, au portant, on est plutôt content d'avoir le chariot choqué. Et du coup, le Jenac, on va essayer de trouver un réglage. Là, le... tu as la limite, être un tout petit peu surbordé de Jenac pour larguer le riz. C'est pas si gênant que ça, parce que ça te ramène le flux d'air dans la grand voile. Après, je viens de reprendre le Alba. Le Alba, c'est un peu le même effet que le chariot. Tu vois, tu fermes ta chute. Ça, à la limite, tu vois, si je suis tout seul... et que je veux en termes de sécurité, je trouve que c'est bien. Il y a des trucs en fait où quand tu choques quelque chose, tu mets pas le reste du bateau en difficulté. Tu vois, c'est que si jamais tu, là il y a du vent fort, c'est compliqué, tu pars au tas, si tu choques le Jenac, alors c'est la solution la plus efficace. Par contre après il faut le reborder le Jenac quand même, donc tu peux avoir un peu du suraccident à choquer le Jenac. Choquer le Alba, a priori, il ne peut pas t'arriver grand-chose. Tu vois, si jamais il y a trop de puissance, si tu choques le Alba, tu vas faire vriller ta GV, hop, et ça peut t'aider à repartir, quoi. J'aime bien ce genre de petits réglages que tu peux avoir un peu en... Il se passe quelque chose, il y a un orage, un machin, tu choques ton Alba, tu sais que bah, ça peut t'aider à remettre le bateau dans l'axe, quoi. D'accord. Parce qu'en fait, la voile va se déverser. Ouais. Donc tu vois une allure là comme ça, un peu serrée. Et ça c'est pareil, tu vois, t'es en équipage à plusieurs, les gens ils savent pas trop. À la limite tu peux dire, je donne l'exemple des enfants, ça n'a rien de péjoratif, mais à la limite un gamin de 10 ans, à partir du moment où il a compris, il ne peut pas se coincer les doigts et compagnie, tu peux lui dire de choquer le Alba GV, il va pas faire de bêtises quoi. Enfin je dirais au pire, la grand voile monte. Choquer ça un gamin de 10 ans, non, là faut être derrière parce qu'il met son pied dedans et il y a le machin qui part, c'est dangereux quoi. Enfin tu vois, c'est... Donc, oui, tu vois, moi, là, si j'étais au large, ou si, enfin, bref, t'es content d'avoir éventuellement ton Alba qui est ouvert, prêt à choquer, il se passe quelque chose de pas bien, hop, tu choques ça. Ouais. Faire, bah, disons que c'est si jamais ton bateau a l'équilibre à la barre, t'étais un peu gité, tu peux te retrouver un peu surbordé, quoi. Après, c'est la GV. En fait, le Jenac, ça, c'est presque le dernier que tu choques. Parce que si tu choques ta GV, si tu choques tout, à un moment donné, regarde, d'ailleurs, là, j'ai Alba GV. Si tu choques ta GV, elle va venir naturellement se mettre en drapeau dans ton Jenac. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup d'effort. Enfin, plus tu choques, moins il y a de l'effort. Le Jenac, c'est un peu l'inverse. Quand tu vas choquer, à un moment donné, il va faire un peu ballon et... Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est pareil. Alors, parce qu'il y a différentes écoles. Écoute, donc soit on les met à l'intérieur de l'été. Ouais. Tu vois, donc là, tu as ton Jenac qui est là, l'écoute au vent, elle passe à l'intérieur. Moi, je trouve ça vachement à l'intérieur entre ton été de Génois et ton été de Jenac. Exact. Tu peux aussi très bien prendre le choix de le passer à l'extérieur, ouais. Et quand t'es en panne, tu fais passer ta voile à l'extérieur. Exact. C'est pareil avec le SPI. Moi, franchement, j'ai des conseils. Un, déjà, parce que quand tu l'es comme ça, là, ton écoute, elle n'a pas de risque de passer sous le bateau. Ah, oui, déjà, ça, c'est quand même rien que pour ça, ça vaut le coup. Ah oui, c'est à l'intérieur. Et après, sur l'empannage, alors, on va dire que dans 8 cas sur 10, c'est mieux d'être à l'intérieur. Et donc, si tu veux le faire toujours dans le même... Enfin, vu que la majorité des cas, ça marche, il faut mieux le faire comme ça. Je pense qu'en termes de timing, on va peut-être, à mon avis, être un peu juste. Mais... Bah, limite, tu fais un petit empannage, hein. Si vous voulez, hein. Ouais, carrément. Ah oui, parce qu'en plus, il faut empanner pour le fond ou... Ouais, non, mais comme ça, on sera plus rapide. Bah, mine de rien, les deux winches comme ça, là, c'est vachement pratique. Tu vois, t'es tout seul, tu peux choquer d'un côté, border de l'autre. Enfin, c'est comme une config de bateau. Je faisais de la pub pour toi, Victor. C'est vachement bien d'avoir les deux winches. Parce que même avec cette taille de bateau, des bateaux de 12 mètres où t'as les deux winches comme ça, qui sont à portée de main, tu peux border et choquer. Il n'y en a quand même pas, il n'y en a pas énorme. Le même compromis que tout à l'heure quand on est plein cul, si on va choquer beaucoup d'écoute, l'écoute, la grand voile, elle va faire un grand... Si jamais il y a beaucoup de vent,
Tu vas laisser ta grand voile choquer en grand. Ça t'avance vite. On va t'as raison, on va le faire en mode il y a 40 nœuds. Tu... Par contre, à l'empannage, ça va... À l'empannage, on va... On... Alors, on sur un bateau comme ça, en tout cas, sur un Imoca, tu... Sur des gros bateaux, tu jibes d'abord le... Tu te sers, en fait, tu essaies de garder de la vitesse pour qu'au moment où tu passes la GV. Donc, l'idéal, ce serait c'est d'arriver à faire un ciseau. Donc là, tu vas abattre, tu vas te mettre quasiment en plein cul. On choque la grand voile. L'avantage, grand voile bien choqué, on est plein cul. Okay. Quand tu vas choquer ton Genac, là, comme ce qui est le cas, il n'y a pas beaucoup de vent là-dedans. Parce que la GV, elle est choquée. Donc là, tu te mets quasiment en plein cul. Tu passes. J'espère. Parce que tout mon argumentaire tombe à l'eau. Il va venir. Bon, il reste comme ça, là, vers les bouées, c'est pas mal. Alors, en fait, il est bloqué dans le hauban, en fait. Attends. Ouais, c'est bon, non, mais c'est bon, là. Il est juste passé, là, ouais, c'est nickel. Reste comme ça, là, en cap, c'est bien. Donc là, t'as ton ciseau. Donc, c'est pas très, très confortable d'être en ciseau, mais pour le moment, ça va. La bombe, pour le moment, tu vois, tant que t'es le bon cap, elle tient pas mal. L'avantage, c'est que si jamais t'as ton Genac qui est déjà rétabli comme ça, alors s'il y a 40 nœuds, tu ne restes pas 150 ans comme ça, mais le Genac te fait amener un peu de vitesse, ce qui fait que du coup, la bombe, elle revient un peu, elle sera plus facile à faire passer. Une fois que t'es là, du coup, là, tu bordes. Tu bordes ta grand voile pour pas que t'aies beaucoup d'angle à passer. Et là, tu mets un tout petit peu d'angle, juste pour passer la GV. Et hop, derrière, tu la rechoques. Ici, comme ça, t'as pas de... On a bien décomposé, mais si on arrive à bien décomposer, ça veut dire que dans la vraie vie, s'il y a 40 nœuds, tu te fais pas trop... Moi, c'était un rêve de jeunesse de naviguer avec François Gabart et tester les bateaux RM depuis peu, que je connaissais pas du tout. Que j'ai trouvé hyper bien aussi, assez réactif, etc. Par rapport à beaucoup de bateaux, on sent qu'ils avancent bien. Et voilà, encore une fois, naviguer avec Gabart, c'était complètement fou pour moi. Je fais de la voile depuis toute petite et c'était la personne qu'on regardait à la télé, qu'on espérait jamais rencontrer un jour. Quoi. J'imaginais pas du tout ça. Et puis voilà, de toute façon, les chantiers navals, moi, je trouve ça toujours fou parce que tout est fait à la main et voilà, on voit tout le monde travailler sur chaque partie de la coque, etc. pour que ça donne à la fin un bateau magnifique et performant en plus. Déjà, elle a commencé avec l'interview de Marc Lombard et ça, c'était vraiment très, très, très enrichissant. Que les biquilles, c'est finalement très, très intéressant. Non, pas que ça. Enfin, c'est vrai que rencontrer des architectes un peu de légende quand on est fan de voile, c'est... Et là encore, enfin, c'est la simplicité et l'accessibilité de ces personnes qui sont franchement... qui arrivent à faire partager leur passion. Qu'on a déjà, donc voilà. La navigation avec François Gabart, vraiment super, parce que quelqu'un de très simple, très accessible, et voilà, on a l'impression de se connaître. Voilà, donc vraiment, je retiens la simplicité, et voilà, très 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 bonne journée. Et en termes de... Super journée, voilà, je sais pas, ça se voit, j'ai des petites étoiles dans les yeux, ça va. Super journée, alors déjà pour la découverte du chantier ce matin, voilà, c'est passionnant, même si je connaissais, c'est super intéressant de voir tout ça. Et puis effectivement, les matériaux, le bois, les choses comme ça, le fait qu'on soit aussi là encore sur du local, les différentes étapes, des personnes qui ont l'air aussi passionnées par ce qu'ils font. Enfin, j'ai vu qu'il y avait notamment beaucoup de jeunes, alors ils m'ont expliqué qu'il y avait des apprentis, donc c'est super ça pour la suite de l'histoire. Et puis aussi l'atelier maquette, alors ça, voilà, c'est bluffé au maximum. Donc je vais repartir avec Mme Micoc tout à l'heure. Non, trop bien. Et puis cet après-midi, ben voilà, alors là, la super sortie. Puis après, François est super, super pédagogue, enfin, il prend bien le temps d'expliquer. Ça a l'air tellement simple, tellement facile, voilà. Bon, après, quand on est tout seul face à la même situation, je ne suis pas sûre que ça se passe aussi bien. Non, mais très, très, très bien. Et puis, ben, en plus, c'est un super bateau, quoi.
Voilà. Non, non, très, très bien. Eh ben oui, elle était exceptionnelle. Elle a commencé avec un François qui arrivait tout en simplicité. Donc ça, c'était appréciable. Et puis, on est parti naviguer et ça, c'était super. Belle journée. Déjà, la journée était magnifique. Il faisait beau. Il y avait du vent, un peu, sur un bateau qui était superbe, avec des voiles magnifiques. Et puis ensuite, masterclass c'était, donc il nous a montré chaque manœuvre. Moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est sa simplicité d'approche pour chaque manœuvre, beaucoup de calme, des choses simples. Il a dit tellement de choses que je n'ai pas tout retenu, bien évidemment. Par contre, moi, j'ai retenu deux, trois choses pour... notamment quand ça se passe mal, par quoi commencer. Voilà. Donc il y a eu quelques manœuvres où à un moment il a dit « Tiens, moi je ferai ça, en premier je ferai ça ». Donc ça, je l'ai retenu et j'essaierai de l'appliquer. Donc voilà, c'était vraiment, j'allais dire, bon enfant, une bonne ambiance, à la fois pro et calme, et c'était vraiment super, super journée. Ah, ben, c'était génial quoi. On a fait une belle navigation. Le matin, visite du chantier, puis le tantôt, on a fait de la navigation, donc avec François Gabart, et c'était très très bien. Voilà, un peu court, quoi, parce que quand on apprécie, c'est toujours trop court. Alors, une journée extraordinaire, évidemment, tout était réuni, l'équipage, le skipper, RM, toute l'équipe RM, le temps. Donc, journée magnifique. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'expérience et la compétence de chacune des parties. Alors, évidemment, François Gabart, et la simplicité avec laquelle il explique les manœuvres, les petits trucs, des détails qui n'en sont pas, enfin, hein, pour bien fonctionner et puis être sécuritaire. L'architecte, j'ai adoré toute sa vision un peu historique de l'évolution de son travail avec RM et la construction progressive pour arriver aux magnifiques bateaux qui sont là aujourd'hui. L'ensemble des employés et des artisans, le savoir-faire accumulé, ça ne se remplace pas. C'est vraiment, je ne sais pas, 25-30 ans de travail. Donc c'est ça, c'était cette accumulation d'expérience, cette compétence, et puis la simplicité avec lesquelles l'ensemble des équipes se sont mises à notre disposition pour nous faire comprendre les choses, nous faire apprendre aussi. Donc une journée magnifique, chargée d'historique, et puis une réception très chaleureuse. C'est un lien de longue date avec RM, parce qu'en fait, je suis charentais d'origine, donc j'ai fait du dériveur ici à La Rochelle, et c'est vrai que quand je faisais de l'optimiste ou un peu plus tard du motor-up, du tornado, il y avait des jolis bateaux de voyage en contreplaqué à côté qui m'ont toujours un petit peu fasciné dans mon imaginaire. Et un peu plus tard, même peut-être beaucoup plus tard, une bonne dizaine d'années plus tard, je me suis retrouvé en fait côté client. Parce que voilà, je voulais acheter, j'avais la chance, je venais de gagner le Vendée Globe, je voulais acheter un bateau, avoir un petit endroit pour ma famille, pour passer un petit peu de temps ensemble, surtout en Scandinavie. Et voilà, et rapidement, je me suis. Voilà, je trouvais que ces jolis petits bateaux en bois étaient adaptés par rapport à mon programme. Donc je me suis retrouvé client d'un premier bateau, et puis un peu plus tard d'un deuxième, et puis voilà, j'ai noué quelque part une relation assez forte avec ce chantier que j'aime beaucoup, avec ces bateaux que j'admire depuis très longtemps. Et je suis content d'être toujours pas très loin de tout ce qui se passe chez RM. En fait, moi, j'ai commencé la voile, j'ai découvert la mer, l'océan par le voyage et par la croisière. Hein. Avant de faire de la compétition en dériveur, j'ai eu la chance de naviguer en famille, avec mes parents, mes deux sœurs. On a même eu cette opportunité géniale de vivre un an sur un bateau, faire ce tour de l'Atlantique. On est parti de France, on a fait un voyage classique finalement en Atlantique Nord, hein, pour ceux qui ont la chance de passer une année sabbatique. Et donc là, j'avais 6-7 ans, et voilà, moi, c'est quelque part là que... Je pense peut-être tout a commencé, mais même avant d'ailleurs, hein, quand j'étais dans le... Je dis ça en plaisantant et sous forme de boutade, mais probablement que dans le ventre de ma mère, j'ai déjà dû faire un petit peu de croisière l'été. Ouais. Bah, écoute, c'est vrai que c'est un rôle un petit peu spécial pour moi, c'est pas mon métier, donc c'est jamais facile, parce que des fois tu sais faire certaines choses, mais tu sais pas forcément les expliquer, donc j'ai essayé de faire au mieux. Par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, ce dont je me rends compte, c'est qu'évidemment, quand tu navigues tout seul ou en équipage réduit sur des grands bateaux qui vont très vite, il y a des erreurs quelque part que tu ne peux pas te permettre de faire. Tu es obligé de trouver des solutions sur les grands bateaux
pour que faciliter les manœuvres. Et quelque part, ce genre d'habitude et de réflexe, tu peux quand même les transposer sur les petits bateaux. Et j'ai quand même la chance en plus de naviguer sur ces CRM, donc je vois à peu près le fonctionnement. Je navigue justement en mode famille avec des enfants en bas âge dans le cockpit, donc à se retrouver quelque part, même si j'ai un petit peu d'expérience sur des bateaux de course, je vois à peu près les contraintes qu'on peut avoir quand on est... qu'on est en famille et qu'on veut faire les choses simplement, sans prendre de risques, en essayant d'avoir le bateau qui est stable, qui est facile. Donc voilà, je crois que c'est vraiment ça, c'est plus essayer de trouver des bons réflexes pour mettre le bateau assez rapidement en sécurité, manœuvrer facilement, sans forcer. Si oui, aussi après, peut-être de trouver les bons réglages, il y a quelques réflexes qu'on a forcément quand on fait de la course, qu'on peut transposer assez facilement sur un bateau de croisière. Ouais, l'idée c'est ça, c'était vraiment de voir comment avoir quelques petites habitudes, petits réflexes, petits repères pour essayer de bien naviguer. Et c'est super important, c'est évidemment fondamental et je pense que ça, c'est important aussi. Alors, mais ça c'est important pour prendre du plaisir aussi en croisière. Pour prendre du plaisir en voyage en bateau, c'est évident que si tu n'es pas suffisamment à l'aise avec ton bateau, bah forcément tu passes pas l'énergie que tu as à observer, à profiter de ta famille, profiter des paysages que tu découvres. Donc voilà, il faut arriver à être suffisamment quelque part entraîné, genre un discours très compétition, mais suffisamment entraîné pour pouvoir profiter et que tout le monde se sente en sécurité et se sente bien. Et c'était une journée de dingue, qui a commencé sur l'eau, en ce qui me concerne, avec François Gabart, alors qui m'a bluffé, professeur de voile incroyable, une générosité, j'allais dire, dans le partage de ses connaissances, qui est vraiment top, quoi. Tout le monde buvait ses paroles, sur les réglages, sur la sécurité des manœuvres, sur... En fait, l'intérêt, c'est qu'il a son expérience de coureur et qu'il connaît bien aussi ces bateaux-là, les RM, puisqu'il en a eu deux. Du coup, son enseignement était vraiment adapté, quoi. Et je pense que tout le monde est sorti de là avec beaucoup d'informations. Il va falloir faire le tri, réfléchir à tout ça. Et c'était passionnant. Et c'est vrai qu'entre lui, Marc Lombard, ce matin, qui a fait une intervention super intéressante, et cet après-midi, donc visite de chantier et travaux manuels avec Édouard Delamarre, qui construit des RM depuis 22 ans, on a quand même un concentré d'expertise assez exceptionnel en quelques heures.